voilà en compagnie de, des œuvres de Léo Tonelli, un autodidacte extraordinaire, j'allais dire habile, mais c'est pas le mot, puisque c'est un artiste. Après le Marais, Opéra, voilà, dans le quartier Saint-Michel, et on voit que ses œuvres sont encore dynamiques, avec une façon de prendre des photos qui pourrait émouvoir et initier même les plus rétifs à la photo. Donc c'est un artiste et un photographe à découvrir, et il a beaucoup beaucoup de qualités et de potentiel. Donc on pourrait vite vers ses expos et toutes ses œuvres qu'il aligne. D'ailleurs, il est dur à rattraper et à suivre. C'est pour ça que je viens à ces expos souvent en masqué. Voilà. En tout cas, valeur sûre. N'hésitez pas à aller le voir. Et j'espère beaucoup travailler avec lui très vite. Bonjour, je m'appelle Chris, j'ai connu Néo par sur des soirées, des événements et en contact sur Facebook, bien sûr. Je suis là parce qu'il faisait justement son vernissage. J'adore ce qu'il fait, il a un très bon coup d'œil. Ça fait vraiment très peu de temps en plus qu'il fait ça, donc je trouve que c'est très respectable et j'adore vraiment, hein, très belle photo. Ensuite, il faut vraiment venir voir, ça vaut vraiment le coup, vraiment très belle photo originale, pas mal de paysages, je sais pas si on voit derrière, par exemple, les primates en Afrique, donc vraiment de bonnes photos, très originales, très bon coup d'œil, bravo. Alors, il y a eu plein d'évocations sur les Maasai, plein de photos, plein de documentaires, et sur cette photo, concentrez-vous. Sur le regard de ces Maasai. Concentrez-vous sur le regard de ces Maasai. Regardez comment ils vont vers l'avant, et ce qui les préoccupe, c'est aller vers l'avant. Concentrez-vous sur le regard. Et je pense que la photo de Néo a bien su capter ce regard. Faites pas abstraction de ce qu'il y a autour, mais vraiment aller au-devant même de ce regard qui va au-devant de la réalité Maasai, qui ce n'est pas seulement offensif, c'est vraiment une photo qui offre au regard le souci d'être avant-gardiste, en tout cas d'aller de l'avant. Concentre-toi sur le regard, regarde.